Et bonjour, enfin, on se retrouve pour la vidéo FAQ qui est censée être sortie depuis quelques semaines, quelques mois. Enfin, on l'a fait. Alors, quelque chose t'a poussé à faire du stream? Si oui, pourquoi et à cause de quoi? Twitch connaît depuis un gros moment et il y a toujours eu cette envie, tu vois, de faire des lives en vrai, il y a toujours eu cette envie-là. Mais disons que c'était pendant la période collège, lycée et la confiance en moi était trop basse en vrai pour commencer ça parce que. Imagine, il y a des gens que tu connais qui voient, imagine tu te fais juger et tout, tu vois, genre. Puis j'avais pas le matériel, dans tous les cas, j'avais vraiment rien, donc c'était pas trop possible. Mais du coup, là, j'ai eu l'occasion, pendant le Covid, vu que je travaillais en bar et que les bars étaient fermés, donc j'avais du temps et je me suis dit, en vrai, go tester, go essayer, tu vois. Et c'est parti de là, du coup. Comptes-tu être actif sur YouTube en faisant des vidéos YouTube? J'aimerais l'être plus, je sais que je fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube et j'aimerais beaucoup l'être plus, donc en pleine réflexion là pour un monteur. Au moins pour vous sortir des best-of, ou au moins une vidéo par mois, quoi, ce serait plutôt cool. Mais oui, j'aimerais. Alors la question, elle est un petit peu différente. J'ai jamais vraiment eu la réponse. Je sais que tu avais commencé Twitch il y a un an, mais en vrai, quelle est la chose ou le truc qui t'a poussé à te lancer dans Twitch? Parce que, ok, t'avais envie de montrer ton gameplay, mais sinon, à part cela, il y a forcément autre chose que tu nous as caché. Donc, quel est ou sont ce qui t'a fait lancer dans le Twitch game? En vrai. Je pense que déjà j'avais une bonne inspiration, donc qui était Inès sur Twitch. Déjà j'avais cette idée-là, c'est ce que je voulais faire, c'est vraiment ce que je voulais partager avec la communauté, c'est comme ça que je voulais être. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait envie? Honnêtement, là comme ça, tout de suite, il n'y a pas vraiment de réponse comme ça, tu vois. Genre j'ai voulu essayer, j'ai essayé, et voilà, c'était juste pour moi un petit rêve comme ça pour tester, pour voir de base. Mais ce qui m'a fait continuer plutôt, on va dire que c'est. Ça va faire très bateau, hein, mais c'est un peu le côté de partager, de pouvoir parler. De pouvoir être présent dans la vie des gens et voire d'être peut-être utile. Je pense que c'est ce genre de choses-là. C'est. Ouais, c'est pouvoir apporter quelque chose aux gens. Le côté un petit peu sociable, un petit peu, tu vois. Je pense que c'est ce truc-là, ouais. Plus d'infos sur ta vie d'avant, ton métier, si tu l'aimais, était une passion, c'est oui, pourquoi pas en faire un live. Alors avant, je travaillais dans un bar en tant que barmaid. C'était pas une passion. C'était cool. C'était un métier cool. J'étais encore en formation. Mais non, c'était pas de là à dire que c'était une passion. Après, je sais que si Twitch marcherait pas, je retournerais probablement là-dedans parce que c'est la chose qui m'a plus plu de ce que j'ai pu faire, mais c'est pas non plus ce que je voulais vraiment faire. Et je peux pas en faire un live malheureusement parce que c'est des alcools et Twitch alcool, tout ça, c'est pas trop le kiff. Du coup, pas en live. Quel est ton passe-temps, ta passion qui te permet de te déconnecter du stream et sortir du jeu vidéo et qui te fait un bien fou? En soi, passion. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à capter qu'est-ce qui était ma passion. C'est pour ça que j'ai mis du temps à capter ce que je voulais faire dans la vie. Enfin, du temps. En vrai, ça va comparé à d'autres, on va dire. Passion, tu vois, on va dire que c'est vraiment le live. Et à côté, ce serait plus, ouais, passe-temps, on va dire. Et que je ne fais pas vraiment, que je peux me permettre que maintenant, c'est plutôt tout ce qui va être randonnée ou les choses comme ça. Tu vois, se dépasser et pour voir quelque chose de magnifique au final, au bout, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aimerais faire beaucoup plus. Maintenant, je peux me le permettre un peu plus, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire beaucoup plus. Pour mieux apprendre à te connaître, ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet sur Twitch à l'avenir? On va dire le goal ultime, vraiment l'objectif ultime, c'est de pouvoir faire le record du monde de temps de live sur Twitch. Ça serait vraiment incroyable. C'est-à-dire que le record est établi à 31 jours, là, je crois. Mais ça, on va dire que c'est l'objectif ultime sur Twitch. C'est vraiment ce qui va être fou. Et après, en projet, il y en a d'autres, mais on peut pas encore trop en parler. Surprise, surprise. On est de nos riens, on veut tout savoir de toi. Alors, côté relation amoureuse, tu te situes où actuellement, couple ou non? As-tu l'envie de l'être, homme ou femme? Où situes ta relation avec ton ou ta partenaire ou crush s'il y a? Eh bien, oui, je suis en couple. Une deuxième question, peut-être. D'où vient le pseudo Norris? Il vient de mon nom de famille. Pourquoi les cheveux courts et ce bandeau? Parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux courts et que c'est chiant les cheveux longs. Et pourquoi ce bandeau? Parce que c'est stylé. Tu es plutôt quel style vestimentaire? Aucune idée décontractée, je pense qu'il y a. Si tu devais sortir en soirée un peu chic, tu t'habillerais comment? Chino, chemise. Maquillage ou pas maquillage? Pas maquillage. Es-tu un personnage ou c'est vraiment toi, Norris? Pour moi, c'est vraiment moi, Norris. Il n'y a pas de distinction entre Norris et Ophélie, on va dire. Pour moi, c'est. Bah, c'est pareil. Je joue pas un rôle, je me. Quand je suis en live, forcément, c'est pas la même manière d'être en live IRL, dans le sens où là, toute l'attention est sur moi, donc forcément, je vais pas rester plus calme, je vais pas être plus calme qu'IRL, c'est sûr. IRL, je suis bien plus calme que sur les lives, on va dire. Mais c'est pas pour autant que je suis une autre personne. Pour moi, c'est Norris, Ophélie, c'est la même chose. C'est tout pareil. Tout pareil. Je voudrais me lancer dans le stream comme toi. Comment fais-tu pour garder ta motivation que tu as depuis le début?
Je pense que c'est surtout la commu qui apporte la motivation parce que faire des lives pendant un an avec zéro ou un ou deux specs, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très dur. Et ceux qui en sont là, vraiment, vous êtes des boss, vous êtes trop forts, genre continuez, c'est incroyable. Mais je pense que c'est surtout la communauté qui apporte la motivation parce que tu sais que t'es pas là pour rien. Même s'il y a 10, 15 personnes, tu dis, il y a quand même des gens qui sont là et qui veulent voir, qui veulent en savoir un peu plus, qui veulent découvrir. Et je pense que c'est vraiment ça la motivation. Et surtout le fait que ce soit une passion, enfin que je veuille en vivre vraiment et que je sais que je dois tout donner si je veux réussir ça. Donc, enfin je sais que c'est ça qui me fait vibrer, on va dire, tu vois. Donc forcément, il faut que je donne tout et c'est normal. Donc je pense que c'est surtout ça. Quel était ton meilleur et le pire moment sur Twitch? Le meilleur, ça a été sur un live FNAF. C'était en avril, je crois, mars, avril, je ne sais plus. Et c'était le premier moment où on avait battu le premier record de train qu'on avait fait. C'était à 1200%, je crois, ce qu'on avait fait. Et il y a eu une vague de love incroyable à ce moment dans le chat. Et c'était le premier vrai moment où j'ai compris que ce que je faisais, c'était pas juste une passion, pas juste un métier, c'était vraiment genre, c'est ce que je devais faire, en fait. C'était vraiment le meilleur moment. J'ai réalisé vraiment beaucoup de choses à ce moment-là. Et je crois que c'était la première fois que je pleurais en live, peut-être bien. Et le pire moment, je dirais que c'est le moment où ça a été en octobre, où je me suis rendu compte que en octobre 2021, on était vraiment plus beaucoup, alors qu'on avait fait des bons chiffres avant, et on était vraiment plus beaucoup. On devait être 9, 9 specs, c'était. On s'est rendu compte à un moment, pendant genre pas longtemps, mais on était 9, et là j'étais en mode waouh! Ouais, donc il y a des moments comme ça, tu vois, où ça redescend à mort comme ça, et d'un coup ça remonte, et là c'était vraiment le moment de merde, qu'est-ce que je vais faire? Genre. Un peu la réalisation de c'est peut-être pas éternel finalement ce que tu fais, c'est peut-être pas le bon truc, tu vois, genre un pire moment parce que voilà, il y a beaucoup de remises en question, mais qui ont été très bonnes au final pour la suite parce que ça m'a permis d'en motiver et de bosser un peu plus et d'essayer de faire plus quoi. Aura-t-on un jour une boutique en ligne? Oui. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais oui, c'est en pleine réflexion. Comment penses-tu que l'année va-t-elle se dérouler professionnellement et personnellement? Professionnellement, disons que bah déjà, ça a déjà beaucoup changé. Déjà, cette année a énormément changé dès le début. Dans tous les cas, on a eu le partenariat, on a battu des records qu'on n'a jamais fait, on a atteint les 200 specs, il me semble, là, il n'y a pas longtemps. Cette année, elle va être folle, je pense, parce que c'est un petit peu, on va dire, la deuxième année où maintenant je suis, on va dire, implantée dans le sens où j'ai commencé à capter, et ça va être le moment où vraiment on va level up, on va passer à un truc bien plus stylax, on va dire, on va level up. Et je pense que même niveau projet, ça va être plus sympa, beaucoup plus sympa. Et personnellement, encore mieux avec le déménagement et tout, niveau épanouissement personnel, là, il va devenir encore plus fou. Et personnellement, bah, ça va suivre. En fait, professionnellement, ça va forcément suivre avec parce que bah, c'est un peu toute ma vie, on va dire, Twitch, dans le sens où ça me prend énormément de temps. Donc forcément, les deux vont se suivre. Mais je pense que cette année, ça va être que du bon. Genre, vraiment, que du bon. En quoi et comment pourrait-on commencer Twitch? Détail, s'il te plaît. Eh bah lance un live déjà, renseigne-toi sur YouTube, lance un live et fonce, il n'y a pas d'excuses à avoir, tu peux lancer direct, fonce, vas-y, vas-y tout de suite. Et je pense que ta vraie question c'est plutôt genre comment réussir, on va dire, comment se démarquer peut-être. Moi je te conseille fort, fort, fort d'aller sur TikTok, de faire des vidéos TikTok en même temps des lives, d'en faire vraiment régulièrement. Et parce que c'est un bon moyen pour se démarquer vu que Twitch il y a énormément de monde, genre énormément. Et avec TikTok ça va beaucoup aider parce que tu as beaucoup de chance de pouvoir te démarquer tout le monde d'un coup sur un TikTok. Et c'est vraiment le bon moyen, je pense, pour réussir sur Twitch maintenant. Et après, il faut aussi, côté Twitch, se donner beaucoup, je pense. Plus tu vas être là et plus les gens vont rester, forcément, parce que tu vas proposer beaucoup de contenu et les gens veulent voir le contenu. Et je pense qu'il va falloir que tu te donnes beaucoup. Mais en soi, tu as juste à lancer un live et voilà. Penses-tu que Twitch soit l'avenir de la télé? Non, non, non. Moi, je pense pas du tout ça parce que c'est quand même bien différent, genre. Même si on a tendance à se rapprocher sur certaines choses, je trouve, mais ça sera. Non, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est trop ancré encore dans les familles, on va dire, la télé. C'est vraiment ce que tu mets pendant un repas, à la limite, ou pour regarder un film à la fin, ou des trucs comme ça. Mais de là à devenir la télé, non. C'est un divertissement qui peut remplacer pour certains, mais pas de là à devenir la télé. Trop différent. Et c'est pas une plateforme qui va plaire à tout le monde, Twitch. Est-ce que tu serais intéressé pour rejoindre Web TV? Honnêtement, c'est pas du tout une question auquel j'ai réfléchi. Pour le moment, c'est pas du tout dans les projets, pas du tout. Si je vais te dire un petit quelque chose à ton toi d'il y a un an, ça serait quoi? GG. Genre, continue ce que tu fais. Genre, t'as fait un très bon choix. Continue, change rien. Genre, si vraiment ne change rien, continue. Ne relâche pas
Et s'il y a des moments plus calmes, c'est pas grave, il faut vraiment pas. Crois en toi, ça va fonctionner, ça va marcher, continue. Quelles sont tes prochaines étapes d'amélioration de ton setup? L'objectif que je me suis fixé sur Twitch, qui est de battre le record, idéalement, ce serait d'avoir un deuxième PC, mais on est encore loin. Ensuite, là, dans l'immédiat, un troisième écran, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être super cool. Et ensuite, après l'amélioration de décor qui est en cours, changer de SSD, surtout. Mais sinon, ah, et puis avoir une meilleure carte son, ça pourrait être super cool aussi, quand même. Ça pourrait être chouette. Quel est ton jeu favori? Ça va être Minecraft. Minecraft, c'est indémodable. Je pense que ça restera le jeu préféré. Quel âge de ton chat? Il va avoir 3 ans. Te vois-tu encore sur Twitch dans 5 ans? Oui. Là, c'est plutôt, je sais que je ne pourrais pas arrêter Twitch. Je sais que là, si ça marche pas, je ferai tout pour que ça fonctionne. Genre, je me vois pas arrêter Twitch. Au contraire, pour moi, là, c'est ce que je veux faire. J'y suis, je veux rester là-dedans et c'est vraiment ce que je veux. Donc oui, dans 5 ans, je me vois encore dans Twitch. Qu'est-ce qu'on fera? J'en ai aucune idée. Comment on sera? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais oui, dans 5 ans, j'espère encore très fort être sur Twitch, bien sûr, carrément. Tu penses être ouvert au partenariat avec des marques? Je suis sûre que oui, tu as pensé à des partenaires spécifiques. Oui, j'aimerais beaucoup une marque, au moins pour ce qui est plus électronique. Après, avoir une marque aussi alimentaire, peut-être. Mais ouais, carrément, carrément. C'est en cours de réflexion aussi, ça. Tu penses rester lié comme tu le fais déjà à la commu via le serve Minecraft et autres jeux? Oui, je l'espère aussi, même si on commence à être beaucoup ou je sais pas. Oui, carrément, carrément, parce que c'est un moyen de rester proche et c'est ce que je veux garder sur les lives parce que c'est un peu, on va dire, l'essence même des lives pour moi. Donc ouais, carrément, il y a des serveurs Minecraft ou peut-être qu'on reprendra des game viewers ou je sais pas, mais ouais, carrément, c'est important pour moi. Ok, sérieux, si jamais Twitch ça te gonfle ou que ça te fatigue trop, tu comptes faire quoi dans ce cas? T'as un plan B? Donc je pense que c'est clairement si jamais je veux arrêter Twitch, honnêtement, aucune idée. Mais comme je disais là, peut-être si jamais je devais arrêter, je pense que je reprendrais à travailler dans les bars, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc honnêtement, j'ai pas vraiment de plan B. Honnêtement, c'est Twitch ou rien pour le moment et. Non, y a pas de plan B, il n'y en a pas du tout. Quelle est ta plus grande fierté sur Twitch, hormis être passé partenaire? Ça va faire très bateau, mais c'est clairement d'avoir une commu comme ça. Une commu qui est. Sur d'autres lives, je trouve, on peut pas trouver forcément ce genre de commu. Il y a quelques endroits, il y a ça, et je trouve ça fou. Mais c'est avoir cette commu-là qui est genre très proche, qui arrive à parler les uns avec les autres. Et. Je sais pas, cette commu, il y a quelque chose où on arrive à être proche, à discuter, et je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment super cool. Et l'intégration qui se fait super rapidement aussi. Quelqu'un arrive, il y en a, ils peuvent devenir meilleurs potes d'un coup, enfin pas du tout, j'exagère, mais c'est vraiment genre. Ouais, cette commu qui est soudée, vraiment, j'en suis extrêmement fière. C'est incroyable d'avoir créé ça et vraiment, j'adore. Un gros projet Twitch 2022, sans forcément le dire, mais pour hyper encore plus, ouais. Disons qu'il y a plusieurs projets en tête. Certains, on va éviter de parler parce que on n'a pas encore vraiment, on n'a rien mis en place. Mais on va dire côté IRL, on va dire en plus gros live, en gros projet Twitch, ça va être plutôt les live IRL. Je ne sais pas quoi, vous verrez. Je pense que c'est compliqué de répondre à ça, mais quand tu revois le stream que tu as fait le jour des 1 an, entre les dons, les messages, la joie, etc., qu'est-ce que ça te fait et est-ce que tu arrives à vraiment réaliser ce qui arrivait et arrivera? Déjà, ça prend forcément une joie immense parce que tu vois qu'il y a des gens pour qui tu comptes, pour qui les lives comptent plutôt. Et ça fait genre ultra chaud au cœur parce que tu sais que ce que tu fais, c'est utile, que tu sers à quelque chose, que tu fais pas ça dans le vent et que ce que tu adores faire, bah ça plaît aussi aux autres. Et ça, c'est vraiment la meilleure des sensations. C'est vraiment, je pense, le meilleur des métiers pour ça, clairement. Et est-ce que j'arrive vraiment à réaliser? J'ai mis beaucoup de temps, je pense, à réussir à réaliser, mais là, je me rends compte de plus en plus, vraiment. Vraiment, là, je suis en train de réaliser. Je pense que j'ai réalisé ce qu'apportaient les lives, genre réellement. Je voulais savoir comment casser la monotonie du stream. Je suis quelqu'un qui, en plus, n'aime pas du tout la routine et qui a beaucoup de mal avec ça. Mais justement, je pense que t'es totalement libre quand tu live, genre totalement libre. T'es ton propre patron, tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Et je pense que bah, du coup, tout repose sur toi. Donc, c'est à toi de gérer ce que tu veux changer, ce que tu veux faire. Si tu veux faire des nouveaux lives, si tu veux faire un nouveau jeu, si tu veux faire un autre type de live, IRL, discussion, interview, tout ça. Donc justement, c'est à toi de pouvoir gérer ça. Tu préfères Thunders ou Hot Wings? Mais largement Hot Wings, largement.
Largement. Quelles sont les raisons de ton déménagement? Je voulais me rapprocher des montagnes, même si bon, je suis pas dans les Alpes, mais je voulais me rapprocher au moins des Pyrénées parce que c'est trop bien, c'est vraiment trop cool, c'est un coin que je trouve vraiment beaucoup beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa, vraiment. Envie de vivre dans un cadre qui me plaît plus et surtout de changer d'appartement pour avoir plus d'espace et me sentir bien mieux là où je vis, vraiment. Est-ce que tu comptes agrandir ton serveur pour accueillir plus de monde ou même refaire une nouvelle saison? Donc je pense que tu parles du serveur Minecraft. Et oui, là la saison 2 se termine, mais la saison 3 va se lancer vers cet été, peut-être un truc comme ça, il n'y a pas encore de date. Mais potentiellement pour accueillir plus de monde, oui. Et un nouveau concept pour le serveur, carrément, ouais. Si tu arrêtais Twitch demain, ça serait pour quelle raison? Bah là du coup je me vois pas arrêter Twitch du coup, je vois pas pourquoi j'arrêterais Twitch, mais si ça devait arriver, j'imagine que ça serait peut-être le côté financier peut-être, ou peut-être que j'arriverais plus à en vivre un jour, et d'abord j'essaierai de prendre un mi-temps et je resterai sur Twitch, mais si vraiment c'est pas possible, bah je pense que ça serait la raison pour laquelle j'arrêterais Twitch, parce qu'il y a un travail à côté et je peux pas me permettre de live, ou même si honnêtement je le vois pas du tout, je vois pas du tout, parce que ça sert toujours de remonter ça, et voilà, mais pour le moment non, je vois pas pourquoi. Comment t'es venue l'idée de te couper les cheveux si courts et de les colorer en rouge et blanc? Je me suis coupé les cheveux en 2018. C'est juste parce que je voulais le faire depuis longtemps et que j'étais enfin majeure pour pouvoir le faire et donc prendre moi-même la décision. Et non, c'est juste que je voulais le faire. C'était quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Et pourquoi colorer en rouge et blanc? C'était un sub goal et c'est la commu qui a choisi les deux couleurs, donc en blanc et en rouge. Et voilà les frérots, on a terminé cette petite FAQ. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas. S'il y aura d'autres FAQ un jour, peut-être, je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai que les questions se ressemblent un petit peu pour quelques-unes. On verra bien. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Allez, en tout cas, passez une superbe après-midi, journée, soirée. Je vous fais de très gros bisous. Et c'est ciao !